Chers amis, vous savez qu'aujourd'hui, les coachers dans le monde entier, ils conseillent et recommandent à tout un chacun d'écrire tous les matins, le plus vite possible, dès qu'il se réveille, une liste de remerciements, 10 remerciements, 5 remerciements, 15 remerciements. Il y en a qui recommandent de faire ça le soir au moment où on va dormir. Il y en a qui disent que le mieux c'est de faire le matin et le soir. Et il y a des expériences qui ont été faites aussi par les psychologues et par les psychiatres et qui montrent que le niveau de bonheur, il augmente de 25% environ. Grâce à cette liste de remerciements qu'on écrit, évidemment, il ne faut pas l'écrire juste pour l'écrire. Il faut l'écrire en ressentant ce qu'on dit. Et les conséquences et les influences de ça sont extrêmement positives. Et ça, aujourd'hui, ça a été adopté dans le monde entier. Regardez, mes chers amis, la beauté de la Torah. Le premier mot avec lequel le juif se réveille, c'est modé ou moda. Je suis reconnaissant à ton égard, Kadosh Baruch Hu. Ou je suis reconnaissante si je suis une femme. Et ensuite, toutes les birkot hachachar. Birkot hachachar, on remercie Kadosh Baruch Hu de nous donner des habits, de nous donner la possibilité de marcher, de nous donner la possibilité de voir. Toutes ces choses-là qui sont vraiment des raisons de remercier Kadosh Baruch Hu. Parce que quand vous les voyez, les gens, ils vont vous dire, mais j'ai pas tous les jours 10 choses à dire. Ah bon, t'as pas 10 choses à dire? Tu peux remercier Kadosh Baruch Hu de pouvoir voir? Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent pas voir? Il y a des gens qui peuvent pas marcher? Il y a des gens qui pendant un long moment étaient dans un fauteuil roulant. Enfin, quand ils ont retrouvé la capacité de pouvoir marcher, quel bonheur c'était pour eux. Tu peux remercier. Akadosh Baruch Hu, qui souhaite notre bonheur, qui veut notre bonheur, qui connaît le mode d'emploi du bonheur, il nous dit la chose la meilleure à faire, Bezrat Hashem, pour pouvoir accéder au bonheur, pour pouvoir vivre une bonne vie de juif, pour être serein. Eh bien, commence ta journée avec Modé Ani, avec merci Hachem pour, et merci, et merci, et merci, et toute une liste de choses. Donc on pourrait penser que c'est évident, c'est normal, rien n'est normal. Et être capable d'apprécier ce qui pourrait sembler être normal, et remercier pour ça Kadosh Baruch Hu, c'est l'une des choses qui fait du juif qu'il est heureux, et qu'il peut passer ensuite une bonne journée. Kol tov, mes chers amis.